Je suis effondré. Quelle malchance. Bonjour les amis. Vous avez l'air morose. Que se passe-t-il? Nous devions tous les deux partir à Londres. Sylvie comme conseillère en communication et moi comme analyste financier. Avec le Brexit, c'est fichu. Et nous venions d'acheter très cher une super petite maison avec jardin à Notting Hill. Il va falloir la revendre et les prix ont baissé. Foutus anglais. Mais vous pouvez peut-être trouver des postes à Paris qui va sûrement profiter du Brexit. Sylvie, tu serais content d'y retourner, non? Mais à Paris, je serai toujours un Anglais, un paria. Et il faut 10 ans pour acquérir la nationalité française. Comment rester européen? C'est bien simple. Vous êtes depuis 10 ans en Belgique. Prenez la nationalité belge et vous resterez européen. Mais il faut habiter en Belgique. Il suffit d'y habiter le week-end. Avec l'argent de la maison de Londres, vous avez largement de quoi vous offrir une maison avec jardin à Bruxelles et un appartement de passage à Paris. Travailler à Paris et passer le week-end à Bruxelles. C'est l'idéal. Et avec le Thalys, c'est rapide et confortable. Et nous serions de vrais Européens. Vive le Brexit! À votre santé. Cheers.